Première grande étape de la coopération franco-britannique, l'exercice Flandre, avec pour objectif de développer la compatibilité des systèmes de communication actuels entre les deux armées, mais aussi de préparer l'avenir avec notamment le simulateur d'entraînement tactique SAFIR. Ce simulateur expérimental est un programme développé par la Direction générale de l'armement et son homologue britannique. Il permettra aux deux armées de rendre interopérables leurs simulateurs d'entraînement et de conduire des exercices en réseau sans être déployés sur un camp d'entraînement. The objective of this program is to demonstrate a persistent capability between the UK and the French in order for the army and other services to train in a distributed manner in order to reduce costs of travel and also a program that will combine the simulation with the command and control systems to reduce the LOCON requirements and training support requirements in the future. Le deuxième objectif va être de rendre l'entraînement plus complet en ayant la possibilité, grâce aux techniques de communication, d'impliquer des moyens lourds, contraignants, typiquement non déplaçables, comme des simulateurs d'hélicoptères ou des simulateurs d'avions qu'on trouve dans les écoles. Sur cet écran, par exemple, une image virtuelle d'un hélicoptère de combat français Tigre. Il est piloté à distance depuis la base du Luc, dans le sud de la France. Pour simuler les opérations, SAFIR s'appuie sur les scénarios tactiques du CIPIO, le simulateur de combat interarmes de l'armée de terre. Il entraîne les postes de commandement à la conduite des opérations interarmes et grâce à SAFIR, il deviendra interopérable avec tous les simulateurs franco-britanniques. Dans le cadre de l'exercice SAFIR, ça consiste à pouvoir coupler CIPIO à d'autres simulations, des simulations différentes de CIPIO puisqu'elles vont travailler à un niveau beaucoup plus fin, notamment des simulations de drones. Et en couplant CIPIO à ces simulations de drones, on a la possibilité de pouvoir renvoyer des images détaillées d'une situation vers des analystes du PC, de manière que ces analystes analysent des images, mais qui sont virtuelles, bien entendu. Le programme SAFIR démontre ainsi son interopérabilité en faisant travailler tous les maillons de la chaîne, du niveau division ou brigade jusqu'au niveau section. Le tout avec un retour en image 3D de la conduite des opérations sur un terrain virtuel. Avec SAFIR, les deux armées de terre françaises et britanniques pourront s'entraîner ensemble à distance, ce qui diminuera les coûts sans perdre le réalisme de la conduite d'une opération. Next player, be ready. Go, go, go.